Salut salut les amis, c'est Food for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE Live avec le défi des grosses affiches comme tous les jeudis soirs. Vous connaissez, franchement il est assez simple, ils sont assez simples pardon. Donc vous récupérez un pack joueur or prime une fois que vous aurez validé les 4 défis. Vous récupérez un pack jumbo or, un pack joueur or, un pack joueur electron prime et un pack joueur premium or. Donc ça reste correct les amis parce que les prix vous allez voir c'est très très simple et très très bas. On va commencer par le premier, PS Eindhoven Fire Nord pour le pack jumbo or. Il fallait un joueur d'Eurodivisé, vous prenez qui vous voulez, vous le mettez en DG. Vous prenez vraiment qui vous voulez, la note ben, vous essayez à 200, vous essayez de prendre la plus grosse note. Pareil pour lui, vous vous mettez à 200, vous prenez la plus grosse note. Voilà. Et au cas où vous testez si ça passe ou pas. Il fallait 5 clubs minimum, 4 joueurs d'un même championnat, d'un même pays minimum, 1 joueur rare minimum, une note générale à 75, un collectif à 75, j'ai aucun joueur paquet les amis. Voilà, et vous le savez, le premier défi c'est toujours la Liga Bancomer du Mexique, donc on ne change pas nos habitudes, et comme vous pouvez le voir, c'est une bonne équipe du Mexique. Avec les 4 pays comme ils veulent, le joueur rare comme ils veulent, 5 clubs minimum, enfin voilà. Donc franchement, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi, bien entendu, vous avez vu, on est à 80 de collectif, il faut 75, donc on est large. Allez, on commence les amis avec Hugo González, Stéphane Medina, Jorge Sanchez, Flavio Santos, Geoffrey Delange, Jorge Hernandez, Fernando Goriaran, Maximiliano Meza, Leonardo Fernandez, Federico Vinas, et on termine avec Jonathan Rodriguez. Franchement les amis, on est à 4000 crédits maximum. Alors vraiment... Allez, 4005 si vous voulez. Mais franchement, ça reste plus que correct. On soumet l'équipe et on passe au deuxième défi. Red Bull de Leipzig contre l'Eintracht Francfort. Là aussi, très très simple les amis. Il fallait un joueur de Bundesliga, 3 joueurs de même pays maximum, 3 pays pardon, maximum. 5 joueurs de même championnat minimum, 2 joueurs rares minimum, une note générale à 77, un collectif à 75, vous voyez, je suis à 76, j'ai pas un seul joueur paquet. Donc les amis, très important, prenez Jovic. Enfin, prenez. Vous n'êtes pas obligé non plus. En gros, soit vous prenez Jovic et vous prenez Ljalic, soit vous prenez qui vous voulez, mais du coup là, il va falloir prendre un Turc ou un Brésilien. Donc si... Enfin, des Turcs en note à 80, il n'y en a pas. Par contre, il y a Giuliano que vous pouvez prendre en MOC et il fera le taf aussi. Voilà, tout simplement. C'est deux choses. Voilà, les deux petits changements à faire, bien entendu. Là, vous pouvez prendre Junior Kessara. Enfin, voilà. Du moment où ils sont Turcs, honnêtement, les amis. En gros, vous faites avec des Turcs, des Brésiliens. C'est le championnat turc, hein. Ça aussi, souvent, le deuxième défi, c'est avec du championnat turc. Et après, là, voilà, soit vous mettez le Brésilien Giuliano, et vous mettez qui vous voulez ici, soit vous mettez Ljalic, Jovic. Vous allez voir, Jovic, c'est du 800 crédits, c'est une note à 80, c'est fait pour, justement, pouvoir acheter des joueurs à 75 derrière, qu'on paye 400. Donc voilà, les amis, le prix n'est pas très cher, hein, 800 et 700, ça fait 1005, plus 9 joueurs à 400. Ce qui fait 3006, ça fait 5100 crédits. On arrondit toujours un peu plus, on va dire 5200 crédits. Mais voilà, très très simple là aussi les amis. On commence avec Ugurcan Sakir, Pablo Santos, Raphaël, Mahmoud Tekdemir, Abdulkadir Umour, Adem Ljalic, Luis Gustavo, Emre Killink, Luka Jovic, Davidson, et on termine avec 5 Tosun.
Donc on va dire 5005 parce que je ne me rappelais plus que Luis Gustavo coûtait 800 crédits. Donc voilà, 5500 crédits pour le premier, pour le deuxième, pardon, 4000 pour le premier. On est à 9500 crédits pour les deux premiers. Franchement, ça reste correct. Et on a déjà deux packs. On va ouvrir, on va faire le troisième, Milan AC face au Napoli. Il fallait un joueur de Serie A minimum. Il est là, c'est Lazzari. Pareil, c'est voulu, on prend une note à 81 pour être tranquille derrière. 5 championnats maximum, on a un MIG 2. 6 nationalités minimum, 2 joueurs rares minimum, une note générale à 79, un collectif à 80. Donc les amis, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai beaucoup de joueurs paquets, mais honnêtement je les ai achetés, ne vous inquiétez pas. Et ils coûtent 700, voire 750 crédits. Il y a juste Benitez qui coûte 850 il me semble. Mais voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 joueurs paquets. Donc vous serez à 83 et ça passera donc tranquille. Donc vous mettez Lazzari ou un autre joueur, mais honnêtement c'est bien qu'il ait une grosse note. Vous pouvez mettre Buffon par exemple, ça vous fait gonfler la note aussi, mais il est un peu plus cher. Et après bah, c'est la Ligue 1, vous mettez, vous essayez de faire en sorte que les joueurs, vous voyez, j'ai mis deux joueurs à 81 et après on était tranquille quoi. On était tranquille, on avait la note à 79 à peu près correcte. Faut pas mettre trop de joueurs à 75, mais des joueurs à 77, ça fait pas trop baisser la note et ça vous fait arriver à 79 tranquillou. Donc les amis, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs rares, 6 x 7, 42, donc 4200 crédits juste pour les joueurs hors rares. Et après c'est du 500 crédits, donc 1000, 2000, 2005. Donc on a dit qu'on était à 4002 et 2005, ça fait 6700 crédits pour ce défi-là. Et là aussi, franchement, c'est plus que correct. On commence avec Walter Benitez, Manuel Lazzari, Victorino Hilton, Pedro Mendes, Steffi Mavididi, Thiago Mendes, Benjamin André, Bruno Guimaraes, Oussem Aouar, Xavier Chavalrin et on termine avec Karl Toko et Cambi. Donc voilà les amis, 6700 crédits pour ce défi là. On récupère un pack joueur Electrum Prime. Donc vous voyez déjà quand même 3 packs sympas et nous sommes à peine à 15000 crédits. Et on termine avec Arsenal Tottenham. C'est le plus cher forcément comme chaque fois. Il fallait un joueur d'Arsenal ou de Tottenham. On a pris Winks. Deux joueurs de première ligue minimum, on en a mis 3 histoire de faire tout le côté. 5 joueurs d'un même club minimum, 3 joueurs rares minimum, une note générale à 80, un collectif à 85. J'ai 3 joueurs paquets, mais là pareil les amis, je les ai achetés, ne vous inquiétez pas, ils ne coûtent pas très très cher. Quoi dire de plus, ben, les 5 joueurs d'un même club, on a pris Villarreal, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est plutôt pas mal, vous voyez, on a mis un gardien et un défenseur gauche à la place de deux défenseurs centraux, parce que les défenseurs centraux coûtent ce qui coûte le plus cher. Donc après les amis, vous voyez, vous faites comme vous le sentez. Je voulais prendre Chilwell, je l'ai trouvé un peu cher, il était à 1100 crédits, il avait une note à 81, donc ça vous fait gonfler votre note. Vous voyez, moi je vous conseille de mettre lui, ou alors vous mettez Bertrand, ça fait le taf aussi, il faudra juste gonfler les autres notes, comme j'ai pu le faire ici. Grealish, pareil, c'est un gros, enfin, c'est une note à 80, il est un peu plus cher, 900 crédits, mais au moins vous êtes tranquille, vous galérerez pas avec, avec le championnat espagnol. Après le reste, honnêtement, vous voyez, hein, des joueurs à 82, il y en a. Il y a par exemple, vous pouvez mettre un autre gardien à 82 à la place de Masip. Je pense à Pacheco par exemple, vous pouvez le mettre, ça vous fait gonfler votre note, ça change rien au collectif. Donc c'est vous qui voyez, il est espagnol, vous voyez. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc les amis, bien sûr, il coûte un peu plus cher. 1, 2, 3, 4. Ouais, celui que j'ai pas qu'il. 4 joueurs à, on va dire, 700, 800. Allez, 4 joueurs à 800, ça fait 2004. 3003. 3003, c'est un peu plus cher. Lui, c'est enfin, un peu plus cher. C'est un joueur hors nom rare. Mais il est à 900, je crois. Donc ça fait 4003, ça fait 5002. 5002, 6000, on va dire. 6004. 6008, 6008, 7006, allez, 7006, 8002,
en gros. 8200 crédits pour ce défi là, ça vous fait en tout un total 9500, 15500, 16200, 25 à level. Franchement, grand max les amis, 25000 crédits pour les 4 DCE et les 5 packs. Allez, on commence avec Sergio Asenjo, Victor Diaz, Jordi Masip, John Costa, Ryan Bertrand, Dani Garcia, Vicente Ibora, Harry Winks, Samuel Chukwueze, Paco Alcácer, et on termine avec Jack Grealish. Voilà les amis, les défis sont terminés. On va passer maintenant au pack opening. Il y a 5 packs, 25000 crédits, ça fait en gros 5000 par pack. Je pense que c'est largement faisable pour se rembourser. On va commencer par le pack Jumbo Or, c'est celui qu'on normalement on va rien choper du tout. Mais on ne sait jamais. Ça va pas au bout. Et ce sera Rémi qui joue en Turquie maintenant. Donc ouais, 700, ouais, on va dire si on compte 500 par joueur. Ça fait 1000, 2000, 3000, 3007. On n'a rien d'intéressant, 3007, non, on n'a rien du tout. Donc 3007, allez, on va dire avec les contrats et tout ça, 4000 crédits. Donc là, on est perdant de 1000 crédits, mais ne vous inquiétez pas, les amis. On va se refaire avec. Bon, on va faire celui-là, par exemple. Donc là, on va dire qu'on est à moins 1000 sur le défi. On n'a rien du tout. Et ce sera Valbuena. Bon, ça va, lui encore. Mais là, pareil, il y a 11 joueurs à 500, donc ça fait 5005. Plus lui, ça fait du 6002. En gros, hein, vraiment. 6002. Donc, déjà, on est remboursé. Et on va continuer avec le pack joueur Electron Prime. Allez, c'est parti. On n'a rien. Ça va pas au bout. Putain, il est pourri ce compte, je vous assure. Il est vraiment pété ce compte. Quadrado. Bon, ça va, ça passe encore. On s'en sort à peu près bien. Ouais, c'est bon, là, les 5000, c'est largement atteint. On va se faire le pack joueur premium or. Donc là, c'est pareil, rien que là, même si vous chopez que de la merde, il est remboursé. Facile, ça va toujours pas au bout. C'est incroyable. C'est incroyable. Un Roussillon, oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Bernard, allez, on envoie tout ça au club, on verra plus tard. Et le dernier. Là aussi, on a remboursé, donc celui-là, on va dire que c'est le pack cadeau. Ça va au bout. On va pas trop se plaindre. Ça va au bout. Pouah, Dzeko. Ça aurait pu être Pjanic, mais non. C'est Dzeko. Bon, voilà. En gros, c'est ce pack-là qui nous rembourse. On a Bergwijn. On a Bergwijn. Bon, ça va. On va dire qu'on fait du... Ah, on a Matuidi aussi. On va dire qu'on a du 7-8000 de bénéf alors qu'on a chopé quasiment que de la merde. Donc voilà, franchement les amis, même si vous chopez de la merde, vous êtes remboursé. Ne vous inquiétez pas, pour peu que vous ayez utilisé des joueurs de votre club, vous êtes tranquille. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Les amis, on fera pas de live pack opening, en tout cas pas que je... C'est pas prévu, on se fera peut-être un petit live Fut Champ ce week-end. Histoire de changer un peu, il n'y a pas d'événement, donc vraiment aucun intérêt d'ouvrir les packs, je vous conseille de les garder. J'ai pas vu d'événement sortir demain, je pense que vendredi prochain il y aura les TOTKS, Team of the Knock Stage, un truc comme ça. C'est la meilleure équipe des joueurs qui ont passé les 8e de finale de Ligue des Champions. Logiquement ça devrait arriver vendredi prochain. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, à très vite. Ciao et merci.